Autre émission. Il est minuit. Nous sommes euh, lundi euh, 16 janvier 2017. Et que le Seigneur soit béni. Bonne année. Et euh, et euh, que le Seigneur soit béni pour euh, tout ce qui se passe, tout ce que vous faites euh, dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de Dieu, et, euh, pour faire avancer euh, l'œuvre. Seigneur, nous bénissons ton nom pour euh, ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour euh, la parole qui nous a franchi, au nom de Jésus, à notre Seigneur et Sauveur. Merci pour la mission aux Antilles. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Nous te bénissons, Père Très Saint, au nom de Jésus Christ. Amen. Voilà. Donc nous sommes euh, et euh, comme je le disais, hein, lundi, euh, 10, lundi 16 janvier. Et euh, donc ce matin, je suis rentré de euh, la mission aux Antilles. Ça s'est très bien passé. Et, euh, mais je voulais quand même venir ce soir, et même pour quelques minutes simplement pour vous dire euh, et, uh, merci parce que vous nous avez soutenu énormément dans dans, dans vos prières et, uh, et l'œuvre uh, prospère uh, uh, là-bas. Gloire au Seigneur. Donc des cœurs sont transformés au fur et à mesure. Merci aux frères et sœurs uh, de la Guadeloupe pour uh, uh, votre uh, votre soutien et uh, pour votre uh, votre amour pour le Seigneur et Merci en tout cas donc euh, pour l'accueil et euh, merci aussi aux frères et sœurs de Saint-Martin -Saint qui nous ont aussi euh, bien accueillis, euh, encouragés et euh, tout ça et aussi les frères et sœurs de la Martinique qui étaient aussi présents et euh, on a eu des belles réunions dans la présence du Seigneur et euh, donc on a fait la Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique. Il y a, y a eu aussi des personnes qui sont venues de la Guyane et cette année Dieu permettra certainement qu'on fasse un tour en Guyane et à Paris Guyane directement en tout cas que le Seigneur soit béni donc nous sommes bien rentrés et d'autres frères et sœurs rentrent mercredi matin voilà mes amis merci en tout cas et euh, bien sûr le Seigneur est celui à qui n'est-ce pas revient toute la gloire toute la gloire pour toutes ces conversions, tous ces baptêmes et euh, toutes ces guérisons, ces délivrances, ces miracles, que toute la gloire revienne à notre Père et, euh, et Dieu Yeshua, notre Seigneur. Voilà, mes amis. Et euh, nous sommes euh, aussi, euh, comme vous le savez, euh, en plein projet. Nous avons un projet d'achat des locaux euh, du 26 et, euh, que le propriétaire veut à tout prix euh, vendre. Alors, nous avons décidé, bien sûr, de euh, de les acheter et uh, pour uh, former les frères et sœurs. Et vous êtes aussi nombreux à prier pour nous, à soutenir ce projet, que le Seigneur, en tout cas, se souvienne de vous. Et euh, voilà, donc euh, je pense que demain, si Dieu permet, permet on vous donnera des détails sur euh, l'avancement euh, de ce projet. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et euh, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, ce samedi, ce samedi, euh, il y aura une réunion avec la jeunesse. Et, euh, et ensuite on verra pour d'autres programmes de réveil ici à paris mais ce samedi nous serons à évry avec euh, les jeunes et euh, pour euh, échanger pour euh, partager et euh, la parole du seigneur voilà que le seigneur soit glorifié donc nous sommes euh, je vais prendre un passage dans le livre de jean jean chapitre 18 nous lisons euh, à partir euh, du verset et, euh, premier Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Or Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu là, car Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Alors, nous apprenons ici que le Seigneur notre Dieu, Yeshua, aimait euh, beaucoup se retrouver dans ce jardin, donc le jardin de Gethsemane, avec euh, ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin Comme euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme arbre dans ce jardin ben, Il y avait essentiellement des, des oliviers. Hein, des oliviers. Et, euh, et le Seigneur s'y rendait souvent pour, pour méditer, pour euh, prier. Et euh, Jésus-Christ homme, bien sûr. Et on nous dit que Judas aussi connaissait ce lieu-là. Alors, je voudrais simplement nous encourager, mes amis, à persévérer euh, dans la foi chrétienne, parce que et, euh, chaque enfant de Dieu est amené dans ce jardin. Hein, C'est le jardin où l'on est pressé, n'est-ce pas Pressé comme des olives pour que l'huile sorte de là. Voilà. Donc, le Seigneur dans ce jardin, bien sûr, était très très pressé. Il était pressé, pressé au point où euh, sa sueur était transformée en grumeau, n'est-ce pas, de sang, euh, nous disent les Écritures. Et, euh, et il, il n'amenait pas n'importe qui là-bas. Il n'amenait pas la foule. Il amenait essentiellement, n'est-ce pas, exclusivement ses disciples. Voilà. Donc, c'est le jardin de Gethsémané. Alors, Gethsémané est le lieu de la transformation, le lieu de l'émondage, le lieu, n'est-ce pas, de la, euh, de, la, de, de, de la sanctification. C'est le jardin où Dieu nous sanctifie. Hein Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre euh, euh, 20, 26. Voilà. Matthieu, chapitre 26. Nous, nous, nous allons prendre euh, à partir du verset euh, et, euh, 36. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Semané et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se prosterna le visage contre terre, pria en disant, Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas moi, hein, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Puis il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà. Donc, euh, il a prié, 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 prié. Donc, là, dans, 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 dans ce jardin. Pourquoi Parce que, eh bien, il devait prier pour ses, ses, certainement ses, 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 ses disciples qui allaient se retrouver pendant quelques jours seuls. Et là, dans le jardin de Gethsemane, la parole nous dit que le cœur du Seigneur était très, très attristé. Voilà, donc je vous disais bien que chaque enfant de Dieu que nous sommes, que vous êtes, est amené par le Seigneur dans ce jardin, hein, le jet de semaine, qui veut dire pressoir à, n'est-ce pas, huile. Et c'est là que nous sommes pressés comme, comme, comme des olives pour que l'huile sorte. L'huile, c'est la vie. L'huile, c'est la puissance. L'huile, c'est la graisse qui brise toutes sortes de jougs, de chaînes. Donc ça veut dire quoi La vraie puissance, mes amis, vient du brisement que nous subissons du, du seigneur la vraie puissance du seigneur la vraie puissance caractérielle le caractère de christ ne peut pas se produire sans ce jardin sans cette pression du seigneur n'est-ce pas sans la croix tout simplement voilà et, euh, et là on voit que dans ce jardin pierre jacques et jean ont eu du mal à prier parce que effectivement quand on est oppressé quand on est combattu quand on est n'est-ce pas persécuté parfois, il faut le reconnaître, c'est vrai, on a du mal à prier, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas On peut être découragé, on peut être abattu, comme Paul le disait si bien, qu'il était parfois abattu. Ça arrive, mes amis. Et, euh, et dans le jet ben c'est là que le Seigneur nous transforme. Parce que beaucoup de chrétiens veulent vivre la puissance de Dieu, dans la prédication, dans le témoignage, dans le caractère, dans le mariage, dans les, dans les projets qu'ils ont, mais... Malheureusement, certains d'entre eux ne veulent pas passer par, n'est-ce pas, les mondages, par le, le brisement, par euh, cette pression du Seigneur qui est indispensable, bien sûr, à, à, la, à, la, à, la, à la vie et aussi euh, à la, à la, aux fruits. Hein. Si on veut porter les fruits, ben, il faut passer par là. C'est un chemin, n'est-ce pas, incontournable. Nous sommes dans Marc chapitre 14, à partir du verset 30, euh, 32. Marc chapitre 14, à partir du verset 32, ils allèrent dans un lieu appelé Gethsemane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. Voilà. Donc, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être effrayé, effrayé et fort agité. Oui, ça peut nous arriver, mes amis, d'être parfois effrayé hein, quand on a des combats, des épreuves, hein, d'être euh, attristé, angoissé. Ce sont des sentiments euh, humains. Ici, nous avons affaire à Jésus-Christ, homme. Voyez, donc on nous dit clairement ici qu'il était effrayé et fort agité. Voyez, ça peut arriver que la peur nous saisisse par rapport à une situation donnée et euh, par rapport à une nouvelle. On est humain, il ne faut pas l'oublier, mes amis. Nous sommes humains et le Seigneur l'a bien dit la chair est faible. Donc euh, et là, dans le jardin de Gethsemane, ben c'est la chair qui est transformée. C'est le lieu de la transformation aussi de la chair, n'est-ce pas Et là, et euh, on nous dit que puis ça en alla un peu plus loin. Hein, euh, et il se jeta comme, euh, contre terre et pria s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Il disait à ma père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi, cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Et, euh, donc là, mes amis, euh, il a effectivement souffert. Et, euh, à ses eh la chair est complètement transformée, brisée. Et on nous dit que, eh ben, pendant qu'il priait, mes amis, ben, et euh, et euh, eh ben, sa sueur, sa sueur, s'est transformée en, en grumeaux de sang. Hein, donc on peut, être, on peut, saigner, on peut être blessé à juste parce qu'on est oppressé, on est façonné. Et Rappelez-vous bien que nous sommes appelés à porter, n'est-ce pas, des fruits. et, euh, et en tant que Olives. Là, nous sommes comparés aux olives, hein. donc, eh bien, Dieu doit nous presser, 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 presser pour que l'huile sorte. Et cette huile, bien sûr, va apporter le salut, la joie et euh, autour de nous la paix, autour de nous la délivrance, autour de nous. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui ont marqué leur génération sont passés par ce jardin, sont passés par la croix, sont passés par des souffrances terribles. Plus vous allez souffrir à cause du Seigneur, plus bien sûr le Seigneur va se manifester. La vraie puissance, mes amis, ne peut pas, n'est-ce pas, se produire, se manifester, se concrétiser sans passer par la souffrance. Sans passer par le Jeû de et c est, c est, ce jardin l'a réservé vraiment aux disciples. On, le Seigneur n'amène pas la, la foule là-bas. Ce sont les disciples. Pourquoi Parce que les disciples et, et particulièrement il a pris les trois et hein, Pierre, Jacques et Jean qui plus tard Pierre et Jean vont devenir des colonnes selon euh, 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 Galate 2 et avec Jacques le frère du Seigneur Jésus-Christ. Des colonnes. Vous voyez donc le Seigneur les a associés à cette expérience de jeu de manées et là ils n'ont pas pu prier parce que c'était compliqué. Et quand on se retrouve dans ce jardin, quand on se retrouve dans ce travail, dans cette, mes amis, entre les mains du potier, Yeshua, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, eh bien, on est... La chair prend un coup, la chair est brisée, travaillée. Mais il faut, n'est-ce pas, euh, se fortifier dans le Seigneur et, euh, et, et, et continuer à, à faire son chemin, son petit, son petit chemin avec le, le Seigneur. Voilà. Et, euh, et, là, c est, c est, et là, on nous dit, bien sûr... Euh, et euh, que le seigneur a prié trois fois hein, trois fois de suite et trois fois les apôtres étaient endormis voyez le poids la, de la charge le poids ce poids ce fardeau seul le seigneur pouvait le porter et les autres ce n'était pas leur fardeau à eux c'est pour cela qu'ils sont endormis voyez et quand on se retrouve dans le jeu de ces manées, on est seul on peut être entouré comme le seigneur était avec pierre jacques et jean mais il était seul vous pouvez être entouré d'une foule de gens, de vos familles, vos, vos femmes, vos, vos parents, vos enfants, vos époux, et être totalement seul. Pourquoi Parce que c'est votre expérience à vous. Dieu veut que vous la passiez seul Dieu veut que vous l'expérimentiez expérimentiez seul Dieu veut que vous... Il veut vous façonner seul parce que c'est à vous que Dieu a donné une vision. C'est à vous que le Seigneur a donné une, une pensée pour bénir les autres, pour libérer les autres. Donc, il faut passer par ce jardin de mané voilà. Que le Seigneur en tout cas soit, soit béni pour pour sa parole qui nous qui nous guérit. Hein? Toujours dans dans Luc 14, Donc on va prendre Luc chapitre 22 à partir du verset 3. Seigneur merci pour ta parole. Donc euh, voilà Luc 22. Le jardin de mané le jardin de la transformation. Et je ne sais pas si vous passez par ce jardin actuellement, mais euh, si c'est le cas, soyez en tout cas encouragés, et restez fidèles au Seigneur. Et euh, nous sommes dans Luc à partir du verset 20, euh, donc chapitre 22 à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des oliviers. Donc, voyez ici, on précise que ce jardin se retrouve se trouve sur le mont des oliviers. Le Seigneur allait souvent sur cette montagne-là, bien sûr. Il enseignait beaucoup à cet endroit-là. Et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé en ce, ce lieu-là, il leur dit, Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'étant éloigné d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre après avoir prié il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse voyez donc Matthieu a donné des détails que Marc n'a pas donné Marc a donné des détails que Luc n'a pas donné et dans Luc ici il y a plusieurs détails encore qu'on ne hein, qu retrouve pas dans les deux autres euh, euh, évangiles et, euh, et là Luc nous dit n'est-ce pas et, euh, et euh, voilà, il, il dit que euh, cette coupe, ailleurs on dit cette, cette heure, ici on dit la coupe. Vous voyez, donc dans le Gethsemane, il y a une coupe que Dieu a prévue hein, pour chacun de nous. Cette coupe, c'est la coupe de la, de, la, de, 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 de la souffrance du Seigneur, n'est-ce pas La coupe de brisement, qu'il faut boire, comme le Seigneur disait euh, à Jacques et Jean qui voulaient s'asseoir l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Êtes-vous prêts à boire la même coupe que moi c'est-à-dire être persécuté, être rejeté. C'est, ça le jeu de cette année. La coupe que Dieu veut, euh, pour nous, eh ben, il faut la boire. Même si c'est amer, c'est comme ça qu'il faut, il faut passer par là, mes amis. Et on nous dit que, et, euh, un ange va venir du ciel pour le fortifier. Heureusement, dans ce combat, dans ces épreuves difficiles, eh ben, le Seigneur nous fortifie, n'est-ce pas? Il nous encourage toujours, toujours. Il est fidèle. Et, euh, et il nous dit, on nous dit aussi qu'il était en agonie. Hein, en agonie, c'est quand même terrible, hein, mes amis. Oui, c'est ça. On peut être en agonie quand on est face à certaines situations, difficultés, maladies, souffrances, tout ça, mauvaises nouvelles. Mais il ne faut pas abandonner la foi, mes amis. Au nom de Yeshua. Il priait, il priait plus, plus instamment. Donc, plus il y a la souffrance, plus il faut prier, mes amis. Et on nous dit que sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Donc là, c'est, il était tellement pressé, pressé, pressé par le Père que ben, du sang. Euh, couler de son visage, couler, tomber, n'est-ce pas Et ça, c'est terrible. C'est terrible le jeu de ses Et je crois que euh, d'ici à l'enlèvement de l'Église, nous chrétiens, nous allons passer par des tribulations, par des épreuves terribles, n'est-ce pas Par la persécution. Mais il ne faut pas baisser les bras. Le Seigneur revient nous chercher. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et, euh, et remarquez ici que, comme je vous le disais, et euh, il est question de céder sa volonté à celle du Seigneur c'est pas toujours facile parce que dans le jeu de Dieu réclame notre volonté il dit donne-moi donnez-moi votre, votre volonté et prenez la mienne faites de ma volonté votre nourriture quotidienne n'est-ce pas et ça ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas baisser les bras, vous la jeunesse, vous les personnes âgées, vous les enfants, peu importe votre âge, votre sexe, votre race, votre origine, votre votre tradition et coutume. Dieu nous aime, Dieu nous appelle à persévérer dans la foi euh, chrétienne que le Seigneur soit glorifié. Les temps seront difficiles frères et sœurs. C'était juste une exhortation pour vous pour vous encourager à tenir ferme à résister au malin. Et à résister aux attaques de l'ennemi et à tenir ferme à faire l'œuvre du Seigneur, au nom de Yeshua. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, au nom de Yeshua. Amen.